T'es pas encore parti à l'entraînement? Ben non, je check la météo avant de partir et puis bah, comme d'habitude ici. Et alors? J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Hein. Ouais, donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh ben, je vais m'habiller chaudement et puis on va préparer le vélo tranquillement. D'accord. En mode pluie. Allez. Donc tu commences par les pieds, c'est ça? Ouais, allez. On commence par les pieds. Alors? C'est ce qu'il y a de plus froid, enfin en tout cas moi, je suis très frileux des pieds, pas des mains. Qu'est-ce que c'est que cette pâte rouge là? Et c'est quelque chose que je fabrique moi-même. Non, c'est du Kramer, les anciens connaîtront. Mm-hmm. Voilà, ça sent assez fort. Ouais, c'est pas top. Hein. J'en mets un tout petit peu, d'ailleurs avec une petite spatule, parce que si tu t'en mets sur la guéguette et ben après, et tu fais pipi, et ben ça va te chauffer très fort. Et du coup j'en mets un petit peu, comme ça. Un petit peu. Sur chaque articulation, okay. J'en ai mis au préalable sur les genoux, mm-hmm. J'en mets un petit peu sur les poignets, vraiment pas beaucoup, mais en fait quand il fait froid, tout ce qui bouge pas, les poignets, les chevilles, même si elles bougent, c'est quand même vachement exposé à la pluie et au vent, et du coup ça permet de se réchauffer. D'accord. Donc t'as pas besoin de l'étaler, t'as... Non, ça va s'étaler tout seul, et ça va maintenir une chaleur à peu près constante sur les parties qui sont un peu stables. On peut en mettre sur le bas du dos, mm-hmm. On peut en mettre sur la nuque, et ça c'est très très bien, ça va garder une chaleur quasiment continue pendant 5 heures. Ok. Ensuite, on enfile les chaussettes. Ouais. Le cuissard long, ça pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire après? Eh ben, on va préparer les pieds. Parce que les pieds, souvent, la plupart des gens sont très sensibles aux pieds. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, une paire de chaussures, l'hiver, ça ne se sert pas comme l'été. À savoir, le pied va gonfler ou dégonfler en fonction de la personne pendant la sortie. On ne les sert pas trop. Il faut qu'il y ait de l'amplitude et que le sang circule. D'accord. Et petit truc d'ancien, encore une fois. Je vois ce dont tu vas parler. Du papier d'alu. Ouais, du papier d'alu, ça peut être du cellophane, ça peut être autre chose. Le papier d'alu a ce côté très pratique que... Tu vas vraiment le mettre sur ta chaussure, mm-hmm. Comme ceci, avant de mettre tes surchaussures. Et ça permet de vraiment d'imperméabiliser le pied contre le vent, contre le froid et contre la pluie. La tenue, c'est ok, Johan. Tu mets quoi dans tes poches maintenant? J'ai pris quand même pas mal de barres, parce que la sortie va être longue aujourd'hui. On est encore en sortie d'endurance. J'ai pris des barres lipidiques, pas trop sucrées, plus un apport vraiment de gras et tout ça, parce qu'il fait quand même froid, on tape plus dans les matières grasses. Donc ça c'est dans la poche, j'ai pris une sucette pour le plaisir, au cas où je ne pas faire le vent. Il y a quelque chose qui fumait là tout à l'heure ici, là, c'est quoi? Ouais, et ben ça, petit réflexe, avant de partir, quand il fait froid, je prends un bidon chaud que je place dans la poche à l'arrière, mmh. Du maillot. Ça me permet de me maintenir en température au moins une bonne heure, et puis ça permet de ne pas avoir trop froid, de maintenir le corps vraiment en température, et du coup du thé, du miel et de l'eau, tout simplement. Il reste le vélo à équiper, je te donne ton garde-boue. Le bonhomme est équipé, et comme on a vu qu'il allait sûrement pleuvoir, le petit garde-boue, ça mange pas de pain, ça met 2 minutes à installer. Tu vois, aujourd'hui, je l'avais pas, il faisait juste froid, il pleuvait pas. Mais c'est pas pour les cyclotouristes, ça, les garde-boue? Bah non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, le garde-boue. Le garde-boue, comme son nom l'indique, il garde de la boue. Et du coup, ça m'évite quand même d'avoir le cul trempé, et c'est quand même pas trop mal. C'est un petit accessoire qui est très sympa, je le mets juste à l'arrière, on pourrait effectivement le mettre devant. Et ça franchement c'est l'idéal. Il manque un petit peu de luminosité en ce moment. Luminosité essentielle, il y a différentes marques qui le proposent. Ouais. Petite lumière, ça mange pas de pain, les cyclistes ils sont vulnérables. Quand t'as une lumière, c'est l'impression que moi ça m'a donné, les véhicules font quand même plus attention à toi. Il y a maintenant des compteurs qui proposent d'avoir un détecteur derrière pour voir les voitures qui arrivent. En l'occurrence c'est le cas, il a chargé toute la nuit. Je le branche et je suis très visible. Terminé? Terminé. Il n'y a plus qu'à s'armer de courage. Ouais, et mettre le bidon peut-être dans le port-bidon. Allez, je te mets, regarde. Voilà. Merci bien. Allez, bon courage. Let's go.